Silver Level à côté. Je vais peut-être modifier le titre en vrai parce que voilà quoi. On va inverser les deux. On va inverser les deux. Voilà. Ok. On est ok et on lance le jeu vidéo. Et j'open la file pour vous. Oh le logo qui pop tout seul, c'est trop bien ça, c'est trop bien. La file est ouverte si vous voulez mettre vos niveaux, c'est avec grand plaisir. Zekat, mon nouveau, un troll mais un peu particulier, il n'y a pas 50 000 pièges, il sera court plus que les autres trolls, s'il te plaît, est-ce que... Alors envoie-le, mais je vais le pas, je risque de le quitter très vite. Hein. Si ça me saoule, je quitte. Hein. Moi, niveau troll, ça me gave les gars, vous le savez. Vous le savez, vous le savez. Démarrer en l'état. Démarrer en l'état. Pardon, je m'ai tiré. Ne sois pas déçu, Caro, c'est pas grave. Allez, on commence par un petit niveau de mes chouiches, si j'ai bien vu, pardon. Alors, le King était déjà dans la queue. Il a pas mis de niveau, c'est bon. Je ne bufferai pas. Argent! 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 Incroyable. Incroyable. Bon, et bien allons-y. Allons-y. Petit niveau de mes chouilles du coup. On-off platform revival. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça? La compilation de Portal sur... Ouais, bon, ça, en vrai, aux F. Hein. Parce que je crois que c'était déjà sorti sur Switch, non? Portal, je sais plus. T-Y-7. 4RF. Hein. Enfin, aux F. C'est cool pour la Switch, mais bon... Les jeux, ils ont quand même 10 ans, quoi. 15 ans, presque. Les gars, il y aura probablement pas de live ce soir. Hein. Je suis archi-dead, là. Bringing the classic series back. Let's go, motherfucker. Yeah, you know. This level is so easy, you know. Ça commence très bien, dis donc. Il n'y a pas de prise de boule de neige. C'était Isaac dans le planning. C'était normalement Isaac. Mais je suis vraiment dead. Ah. Ça passe. Ouais. Je pense pas passer. En plus court. Bon, on testera ça. Level King. Putain, j'ai pas de réflexe. Hein. Ah, c'est un drop, idiot. Moi, je m'en tiens à Sonic Frontier et c'est tout. Alors moi, le jeu, il me fait peur pour Sonic Frontier, malheureusement. J'ai un peu peur de... Ce qu'on a vu, il lui a pas fait honneur, quoi. Alors, on a vu que c'était beau, que ça, il y a pas de soucis, mais bon. Merde. Mais j'ai peur de... Du vide en fait, du vide. Du vide de tout dans le jeu. Du vide de scénario, du vide... Du monde ouvert, du vide de tout quoi. Merde. Oh putain c'est ça. Parce que malheureusement on sait tous que les mondes ouverts, souvent, scénaristiquement parlant, c'est pas incroyable la plupart du temps. C'est chiant ça. C'est horrible sur Switch, le fond fait fondre les yeux. Le fond de quel jeu, mes chouiches?
Mais quoi? Ah, mais de Sonic Pal Frontier, tu parles du nouveau qu'ils ont fait là? C'est ça? Parce que le Frontier, il serait pas sur, il sort pas sur Switch, si? Ouah, je l'ai fait. Ah, le truc en 3D, il était vraiment au Endiac, attends. Alors, je vous déconseille catégoriquement d'acheter ou de prendre Sonic Frontier, pardon, sur Switch. Je vous le déconseille. Hein. Ah, mais c'est clair que le fond, là, ça va être pixelisé, ça va être réalisé de ouf. Vous allez rien voir. Hein. Vous allez profiter de rien du tout au jeu. Le niveau est chouette, merci mes chouiches. Le niveau est cool. Tita tita tou, chita tita tou. Tap, la ramp. Ah ouais, non, hein. Un Sonic Frontier, c'est pas sur Switch que ça se passe, hein. Ah, en vrai, c'est impossible, hein. Niveau suivant. Niveau de Mikael. Ouais, sur Switch, il est vraiment... Ah non, mais c'est clair, hein. Sur Switch, malheureusement, ça reste la Switch, hein. Nintendo, ils ont du retard un petit peu sur leur hardware, quoi. 745. 52G. Tététitatou, pitapé, poum. Poum. Kaizo Troll ou Troll Kaizo? Ah, ça va me saouler, ça. Ou bien les trois, il y en a que deux, tiens. Il y en avait que deux. Ou bien les trois. Je me suis fait avoir. C'est marrant, ça. Ça, en vrai, c'est rigolo, ça. Et le rebond? Attendez, le rebond sur la top, il est où? De nulle part. Très bien. Merde. Ouais, mais moi j'ai une Switch Lite, le fond je le verrai pas. Ah si, tu le verras, hein, je t'assure. Hein. Le fait que ce soit moche, tu le verras totalement sur ta Switch. Hein. Lite ou pas. Hein. Mais... Mais je comprends pas ce que tu veux de moi. Je sais pas ce que tu veux de moi. Vraiment, je sais pas ce que t'attends de moi. La chatte entourée comme la clé. Ok. J'ai pas vu. Et donc ? Non mais tu la chaîne, mais je la tue comment en étant au-dessus, moi, la chaîne? C'est des comiques? Je peux pas? Ben voilà, quoi. Pff. Bah, ça me saoule, hein. T'es sûr, en vrai? Ça, c'est un truc que je comprends pas.
Ah, c'est vrai que je peux spin dessus, au secours. Aïe aïe aïe, au secours, j'avais mal compris. Oh, merci Bastien. Coucou Bastien, bonsoir. Bonsoir à vous. Non mais... Mais ça m'énerve, ce genre de niveau ça me gonfle. Ça reste du troll en fait. Ça reste des fucking trolls incompréhensibles ou c'est des pick-up et tu sais pas en fait. Et ça m'ennuie. Parce que là, j'en sais rien là. Il y avait une fleur à gauche, je dois aller au milieu, je sais pas. Et cette fois, il n'y a pas la fleur. Ah, ça reste un niveau troll, quoi. Hein. Ça a même le don de m'énerver un peu plus qu'un niveau troll. Pourquoi j'irai pas en bas? Mais... Je peux pas savoir en fait. Je peux pas. Je vois pas pourquoi c'est pas le bon chemin. Et pourquoi. Enfin, je comprends rien. Je comprends jamais rien au niveau 3 de toute façon. Mais tu fais quoi? Tu comprends pas que c'est une indication qu'il fallait le ballon et pas une fleur de feu? Mais comment ça? Mais comment ça? Mais comment ça, Michael? Je suis trop con? Mais attends, mais là on... Mais j'ai pas la fleur, d'accord? Donc j'ai le ballon, donc où est le problème? Ah, c'est quand on tombe! Ah, c'est quand on prend le ballon, c'est la suite du truc d'acteur. Ok, ok, ok. Mais j'en savais rien, moi. Vu que j'ai pris le ballon et pour moi, c'était évident de prendre le ballon. Tu vois, le problème des niveaux trolls, c'est que c'est... C'est chiant, en fait. Moi, ça me gave, c'est l'appréciation du joueur, en fait. Je prends la clé ou pas? C'est bon. En vrai, je pense que je suis vraiment trop intelligent pour le niveau troll. Du coup, je réfléchis beaucoup trop et ça m'ennuie plus la plupart du temps. Ah, c'est clair que je suis pas le plus vite pour le niveau troll, hein. Ça c'est clair. Hein. Je sais pas comment on fait pour être plus vite au niveau troll. Ouais. Nique-toi. Thank you.
suis trop con. Ouais, je suis trop con. Hein. Yes. Yes, yes, yes. Coucou Jonas, bonsoir. Bonsoir à toi, comment vas-tu? Donc là, je dois comprendre quoi, là? Que c'est un smiley, que tu me dis de pas prendre le tuyau, mais... Ah, le checkpoint 2. Mais ça, je dois le savoir comment. Parce que moi, c'est un niveau troll, du coup, j'ai peur. Vacances! Nice, Jonas. Ok. C'est à choisir un chemin sur 3. Bah, c'est ça. Il y a à gauche aussi, en plus. Du coup, tu peux taper plus souvent. Bah, avec plaisir. Avec plaisir, ça. Je meurs. Hein. On peut survivre, hein. C'est marrant. Je sais que tu as peur et c'est fait exprès, mais j'ai mis des flèches et ici, le son mauvais. Ouais, 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 je sais. Mais selon les trolls, en fait, c'est pas le même... Vous avez pas les mêmes trucs, tu vois. Des fois, il y a des niveaux où les flèches et les sons mauvais, bah les gens s'en battent les couilles de dire que c'est pas ici ou c'est ici. Donc j'ai appris à ignorer. La raison pour laquelle c'est un tourne cette fois. J'ai activé un on-off il fut à un moment donné. Putain. T'as mis une flèche. Je dois deviner quoi là? Je dois deviner quoi? C'est ça qui m'énerve en vos niveaux troll de mort. C'est que vous foutez de la gueule du monde en fait, c'est tout. Vous foutez juste de la gueule du joueur à chaque fois. Tu viens de me dire que j'ai mis une flèche pour indiquer le bon chemin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes flèches quand deux flèches indiquent deux chemins du coup? C'est deux fois deux bons chemins? Comment voulez-vous qu'on comprenne quoi que ce soit après? Marqué wait et là on doit refaire 10 minutes de niveau. Après t'es gentil, tu m'as mis wait. Ah là là là.
sais pas comment vous faites en tant que joueur pour aimer. J'ai vraiment du mal hein, à comprendre comment on peut aimer en tant que joueur. Putain. Je sais pas trop, Jonas, mais il le détecte. Gnome, il aimerait, je pense, ouais. Gnome aimerait, je pense. Ah, je peux rester sur le tombe ici. Je pensais qu'il fallait faire un move compliqué. Je prends même des trolls que tu n'as pas prévu, t'as vu? Trop marrant, hein. Je suis sûr que celui-ci, tu l'avais même pas prévu. Convaincu. C'était pas censé être un troll, ça. Je pense que ça dépend du sens de l'humour du joueur, si on aime se faire jouer des tours ou pas. Pff, ouais, mais des fois, c'est pas juste se faire jouer des tours, hein. Ça m'amuse pas. J'aime énormément l'argent. C'est ma passion. L'argent m'a tué, les gars. La thune m'a buté. À chaque fin de niveau, ouais, mais là... Je sais pas comment vous faites pour aimer les trolls, je sais pas. Ceux qui aiment ça, je ne sais vraiment pas comment ils font. Vous me fascinez. Vous êtes fascinant pour moi. Je veux dire, dans ce jeu, on se fait déjà assez disrespect, non? Quand on stream le jeu. Comment les gens font pour aimer ça? On se fait déjà suffisamment manquer de respect. Le logo de la chaîne n'a pas changé, il existe maintenant, Jonas. Ouais, c'est moi qui l'ai fait, ouais. Il est sympa, hein? Bon, je mets un coup parce qu'il y a du taf, mais c'est vraiment pas ma cam encore. Hein. C'est vraiment, mais vraiment, vraiment zéro ma cam. Hein. Il n'y a pas moins ma cam que ça que sur mon maker que ça, en vrai. C'est ouf. Niveau suivant. À niveau de level king. Alors, j'ai pas vu ce que t'avais envoyé, level king. Ouais, il roule maintenant. Maintenant, c'est une sphère qui roule. Il est sympa. On voit quand t'aimes pas, tu m'as dit mes chouiches. On voit quand tu souffles, c'est vraiment pas pour toi le troll. Ah non, le troll, c'est vraiment pas pour moi. Ça, y'a... Ah oui, c'est vrai, GTJ. 8 cassés. T7G. Argent. Argent, argent, argent. Par contre, il fait chaud dans ma chambre, là. Il fait genre vraiment beaucoup trop chaud. We will rock you. Let's go.
Run. Je reste extrêmement sur ma faim. Il y a un truc qui me chagrine sur la première partie. Naked Pipe, latin. Il y a un truc qui me chagrine fort sur la première phase. C'est trop droit. La troisième compétition est trop droite, je trouve. La P2, ça va. La peine, il y a vraiment un truc qui me chagrine. Auditivement parlant. Écoutez. Ouais. Ça va. Merci Kate, encore désolé, je vais faire tester un gitan, j'aimerais savoir des avis sur mon level. Tu m'excuses, pas de soucis, pas de soucis, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux. Je vais préciser après, hein, tu fais anything you want, hein. Anytime you want, my friend. Tu fais ce que tu veux. Niveau suivant. Il n'y a pas vraiment de fausses notes, mais il y a des notes... La première partie me chagrine un peu. C'est trop flat, je trouve. Niveau suivant. Niveau de Jonas. Let's go. Pour le niveau de Jonas. Pour le niveau de Jonas. À toute Mickaël, bon stream chez Gitan, du coup. Vu que tu m'as expressément précisé. 6KX. RCW. CBG. Pièce rouge gelée. Pièce rouge obligatoire. Ok. J'espère qu'il te plaira. Ça marche. Bon, on va voir ça. On va tester cela. Nous allons tester cela. Ouais, la préfecture, ils sont jamais là. Hein. Paperasse, hein, tu m'étonnes. Je comprends pas trop ce que t'attends de moi encore. Ok, c'est ça. Oh. Mais je passe à travers, c'est une blague. Ce jeu vidéo. Ok, re. Je lâche pas. Non, j'avais le tuyau de la clim qui était plus à l'extérieur. Du coup, bah, ça envoyait le chaud dans la chambre. Ce qui pose problème, vu que c'est une clim. Du mal à comprendre la phase ici, ouais. Le wall jump. Ok, c'est un peu court. Mais ça me plaît, ça va. On a un petit tréfonds de la part de Velking ensuite.
De level king, de level king, de level king. Un petit peu court. C'est un petit peu court. Pardon. Alors, petit tréfonds des oubliés. Stage. On refresh. On refresh, on refresh. On a deux tréfonds des oubliés, merci à vous. Merci à vous. Pas sûr que ce soit le meilleur niveau du monde, mais merci à vous. C'est un peu cher, non, ça va. Ça va. Ça va. Ok, let's go. Et stop. Ça fait peur. Ça fait flipper déjà. Ça commence pas très très bien, le premier tréfonds des oubliés. C'est tout. Extrêmement chiant. Il y avait une porte en bas. Qui était une raquette d'ours, je pense. Hein. Ok. Merde. Non, je vais pas descendre le prix, je crois pas. Hein. Je crois pas, les gars. Je crois pas que je l'avais dit. Il me semble pas. Ah, je sais plus. Il me semble pas. Si je l'avais dit, bon, il faudrait que je baisse le prix alors. S'il y a des tombes qui m'ont tombé sur la tête. Hey, do you play Kaido Shell at heart? I can't. If you, we can see, if I can, my friend. Hello, how are you? Ça, c'est un bonus, ça, du coup. Je suppose, normalement. Comment? Mais what the fuck? Ça? Impossible. Ça, impossible que ce soit tel quel. Oh, it's a juggling. Oh no. I can't. If there is some juggling, I can't. Sorry. But juggling is not for me. Bah, du coup, Balek, non? Pff, merde. Ah, qu'est-ce que c'est que ce niveau encore? Ça commence à bien faire de moi comme un idiot. Ça commence à bien faire. Ah d'accord, mais tout à l'heure ça passait. Ça ne passe plus, j'ai plus le temps. Ok, cette fois je suis trop haut. Trop marrant. Trop marrant ça. Eh oui, mais j'ai pas le temps. Oh, les timings sont dégueulasses. Ouais, en fait, j'avais le tuyau à l'intérieur depuis un petit moment, je pense. C'est pour ça qu'il faisait chaud. C'est pour ça que je sentais plus trop la clim. Lol. Idiot bête, Zekette. Bon, on ne meurt pas comme un idiot. Faut patienter. Voilà. Ça, on s'en fout, j'ai pris 0 du coup à ce truc là. Chance cette histoire.
Et là, il va avoir un truc impossible encore. Hein. Non, mais il veut qu'on y croit vraiment. C'est un bonus, mais le bonus, il est invraisemblable. Je suis baisé. Attendez, mais c'est... on est baisé? Désolé. Désolé, ça mérite un bob parce qu'il a mis des pièces qui sont imprenables. J'avais raison sur le fait que ce soit impossible à prendre. J'avais raison. Hein. J'avais raison. Ça, c'est bizarre, ça. Je me suis vaincu. C'est pas normal que ça fasse ça. J'ai pas appuyé sur le bouton de jump. Pourquoi ça me tue des fois non? Mais je comprends pas! Ça n'a pas de sens! J'appuie pas sur le bouton de jump! Pourquoi je vais plus haut du coup? Pour quelle raison obscure encore? Putain, mais Nintendo! Votre jeu, putain! Alors le buff, il est surtout... je l'ai surtout mis parce qu'il y a des... parce qu'il y a des phases où il y a des pièces rouges qui sont imprenables. Typiquement, là-bas, elle est imprenable. En fait, quand il nous respawn dessus, il nous tue forcément. Quand on reprend le tuyau. On peut pas passer, en fait. Pas repartir, en vrai. Tu prends la pièce et tu repars jamais. Sauf si c'est un kaizo bloc planqué. Bon, ça m'a le cam un bob dans ce cas-là. Ça va être pas un bonus, mais c'est mal foutu, c'est dommage. Hein. Y a rien à part ça, quoi, dans le niveau. Et cette fois, nous sommes partis trop haut sur le rebond. Je ne sais pas pour quelle raison obscure du démon, du diable, du chétan, de tout ce que vous voulez en fait. Regardez. Bah là, on va trop haut cette fois encore. Je sais pas pourquoi. Là, je viens de comprendre. Bravo Nintendo, bravo bande de cons. Ah, ça a lagué. Très bien. J'ai appuyé, mais il est parti tout tard. Plus tard le jump. J'aime énormément l'argent. C'est ma passion. Gros tréfonds des oubliés en tout cas. Très très gros tréfonds des oubliés. Pourquoi? Je sais pas. Des fois il va plus haut, des fois non. Je pense que ça dépend de où est-ce que je rebondis sur le mob avant, en dessous. Voilà, j'ai rebondi bas, donc ça passe. Là aussi. Là aussi. Là, c'est bon. Dégué, 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 dégué. Bon, faudrait pas mourir maintenant, ça serait con. Mais quel connard! Mais c'est la pire mort! Mais c'est la pire mort! C'est la pire mort du jeu vidéo, les gars! Il n'y a pas plus risible et ridicule que cette mort, en vrai, les gars. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Mais arrête d'être con! J'en ai marre au niveau de merde. Merde! Putain, les gens, ils font des niveaux à chier là. À secours. Hein. Ouais, je suis mort comme un âne tout à l'heure, c'est ma faute, en plus. Ça dégoûte. Dégué, 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 merde.
Je faisais le con et j'ai failli mourir encore. Ça fait un cœur, c'est mignon. C'est mignon. Un peu simple. C'est dommage parce qu'il y a de l'effort, mais... Ça veut dire la mort m'a tué, c'est possible, hein. La porte permettait de skipper le boss. Mais la porte à clé est imprenable, étant donné qu'il y a une pièce qui est totalement imprenable. Et le boss est relativement simple, donc c'est pas genre incroyable à esquiver, quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Le niveau est pas ouf du tout, hein. On a un deuxième tréfonds, du coup. Ya. Pam 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 pam. Il faut une étoile plus d'un niveau, ce qui peut être très inquiétant si elle est planquée dans un kaizo. Ok, on a des power-up gratuits. Ouais, je pense aussi Jonas, hein. Le setup est très nul, là. Ça va être méga chiant, ça. En vrai, c'est marrant. Le setup est marrant. Bien que... on n'a pas envie de monter, hein. Je vais pas vous mentir. Non, personne n'a envie de monter, là. Fais chier. Putain, un truc de merde. Ok, y'a rien. Là, step t'as chier, si tu vas à droite, t'es baisé en fait. Le step est vraiment à chier là. A plus tard, Only. Des bisous à toi, à plus tard, l'ami. Merde. Petit logo là. Un petit crash. Le setup il marche pas, hein. C'est pas un bon setup. Hein. C'est un setup annulé, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, je touche le boss, j'entends les hits.
Bon, ça sert probablement à rien par contre, mais bon. C'est bien comme ça, on évite le bordel s'il y a du bordel qui pop. C'est quand tu veux par contre qu'il meure, hein. Ah mais il respawn, ça sert à rien en fait. Et voilà, et là il y a une étoile planquée à tous les coups. Ah. Heureusement, et heureusement que j'ai fait ma strat, hein. Heureusement que ma strat moldave je l'ai faite, hein. Sinon ça aurait été un enfer cette salle, hein. Un enfer, hein. Niveau suivant, niveau 2, Mingong. Un niveau sans juggle du coup. Alors, 7, 3, 4. WWG. R1G. R1G. La connexion de vita inutile, ouais. Globalement, elle sert à rien, mais vraiment, genre vraiment rien. On s'en est jamais servi de l'étoile, donc totalement inutile en effet. Little Short Kaizo, il faut une practice d'our. C'est-à-dire, ouais, ça fait peur en tout cas. Je sens que je vais rien comprendre. C'est ça? Mais j'ai pas déjà eu ce niveau. Ce setup, je l'ai déjà eu. Mais les gars, ce setup, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu. Alors, j'ai déjà vu ça quelque part. Hein. Je l'ai déjà vu, ça. Ça, j'ai déjà vu. Ça, j'ai déjà vu. Ah putain. Tiou tiou. Piou piou. Ouais. Ce chat jump avec le Koopa qui doit partir à droite, hein. Et pas à gauche. Déjà vu, hein. Ah, faut que je gueule. Tchou tchou. Là c'est relou. Cette nécessité de juggle le truc parfaitement. Eh oui, je l'ai pas lâché en fait. Ça c'était bon ça. Ah merde, j'ai oublié de faire ça. Pas que j'ai oublié de faire ça. Tiada, pépire. Putain, je joue comme une merde. T'en as plein d'autres, c'est quoi? Qu'est-ce que fait la collection? Elle fait que de déco là, Sato? Quel enfer. Ça me casse les couilles. Il y a quand même du juggle ici. Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois shell jump, je crois, taper le on-off, enfin prendre l'autre shell et shell jump en back. Devoir être à 160p pour garder avec le moins de lag possible et encore là encore putain quel enfer en effet.
Surtout qu'en plus, voir Zeket en 160p, je le conseille à personne. J'arrive pas, hein. Le Kaizo comme ça encore une fois. Hein. Faut jouer 4 heures par jour à faire du Kaizo, quoi. Et prendre énormément de plaisir sur le reste des jeux vidéo qui existent dans le monde. J'appuie à droite. Hein. J'ai appuyé à droite. Et après, c'est un back. Hein. Donc c'est ça. Ensuite, c'est un back shell jump. Merde. Et la Tringdour, elle nous fait quoi? Un spring drop en aérial. Après un double. C'est un niveau pour les mecs qui font que ça de leur journée. Faire du Kaizo et des TS tout le temps. Tellement d'input à la frame à faire. Ouais, c'est impressionnant, mais putain, c'est sa vie sur mon maker, quoi. Voilà, il faut faire un spring drop, là. C'est... J'arrive pas à challenge, en plus. 13 secondes. Et y a-t-il un peut-être y a un fromage en studio jaune en vrai. Peut-être que sur un malentendu. Yo Alan, bonsoir. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça me casse les couilles ça. Je ne vois plus rien, j'ai eu un rendez-vous chez l'opticien et je vois rien de près. Mais sinon ça va. Ah, il a dû te mettre des gouttes. Il t'a mis les fameuses gouttes. Ça va passer. Ça dure un certain temps, ça va passer, va. Du coup, il a mis son clavier à 3 km. Et du coup, il a des bras très très longs. Ah, trop vite cette fois, c'est marrant ça. Je mets un coup et je me casse. Hein. Niveau comme ça, c'est pas pour mon cul. Hein. Niveau suivant. Niveau de Sato. Je peux bien faire des TS, mais les TS à la frame de chaque truc, j'en ai plein de cul. Hein. Le souci, c'est que je passe pas 3 heures par jour à faire du TS, quoi. Du coup, c'est compliqué. 840, 5FX. 3WF. Ouais, ouais, mais les gouttes, je crois que c'est la première fois que j'en mets. C'est possible, ouais. Alors, mais c'est pas tout le temps. Moi, les gouttes, en vrai, j'en mettais quand j'étais gamin et j'en mets plus maintenant quand je joue à l'ophtalmo. Non, il me passe dans la machine et c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Yo, Ticoche, bonsoir. Coucou à toi. Ticoche. Comment est-ce que tu vas, Ticoche? La queue est ouverte, ouais. C'est ouvert, Ticoche. C'est open, c'est open. Télé-télé-ou. Ouais, tu fais bien de repeter du, hein. De toute façon, t'as pas trop le choix, en ceci. Alors, tombe. Z
Mauvais choix, Zeket. Très mauvais choix, ça. Pardon. Ah, c'est l'OCH V6. Un stage mal fait. Il n'y a plus des masses après des stages, hein, de toi, Sato. Il m'en reste plus des masses, hein. Au bout d'un moment, on n'a plus le choix, quoi. Faut y aller. Oh, je regardais pas en bas. Au secours, je regardais pas en bas. Bien vu, ça s'est fait exprès. Y'a pas de checkpoint, par contre. Ça marche, il coche. Oh, c'est la baise! Mais fous-nous un checkpoint, touche-nous dans la bouche, c'est pareil, finalement. Y'a pas de point check. Y'a pas de point check. La porte, je sais pas à quoi elle sert. C'est effrayant, cette histoire. Oh non, mais arrête d'être nul! Pourquoi je suis une merde comme ça? Pourquoi je rate tout dans ma vie? Y'a quoi derrière cette porte? C'est nul. Un checkpoint. C'est nul. C'est nul. Il se fout de ma gueule, lui. Bah, on le voit pas, le checkpoint, autant pour moi. Faut prendre la porte pour le voir. Excusez-moi, je suis aveugle. On a une switch au boulot, mais c'est pas mon compte, du coup ça marche. Bon, on essaiera ça après. Donc, il y a bel et bien un checkpoint. Autant pour moi. Oh, il y a même un champignon gratuit. Ah, c'est pour ça que le niveau est si simple. Enfin, c'est pour ça qu'il n'y a, y a pas un faible taux de réussite. C'est parce que d'une, il y a un checkpoint, et de deux, c'est du coup pas si dur. Merde. Ah ouais, mais c'est relou, cette histoire. Je suis amoureux de mes cœurs, mais pas tant que ça non plus, faut pas déconner. Non, non. My bad, my bad. C'est incroyable, ça, non? Non, mais ça, là. Ça, là. Typiquement, ça, c'est incroyable, non? Excusez-moi, mais c'est pas incroyable, ce qui vient de se passer, là? Je crois que si, hein. Je crois que c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Mais qui me tue? Mais je comprends rien au jeu vidéo, le jeu vidéo a changé. Mais qui a changé les règles du jeu vidéo? Je comprends plus rien, je suis perdu moi, il y a de nouvelles règles dans le jeu. Ah, je suis perdu. Ah, il n'y a pas la commande changement, non. Vas-y, on va faire le nulos, on va prendre un par un, quoi. Par contre, c'est la porte qu'il faut prendre, hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celui en haut à droite, hein. C'est une maladie. C'est maladif, les gars. Ça s'est fait, ça s'est fait. Pas du tout, c'est pas fait, ça. Vu que je suis mort entre-temps. Ok. Là on va fromage, hein. On va fromage, pas que ça foute les gars. Voilà. Checkpoint. On ne fait aucune erreur, c'est-à-dire on prend le champignon à chaque fois, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je me pose une question, mais tant qu'à faire. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, les gars. Non. Non, non. Non, non, non. Non, non. On peut déconner. On peut déconner, mais faut pas déconner non plus. Voilà.
Les Skullerex. Mais on peut fromage ici aussi. Il y avait pas de commande fromage aussi, je crois pas, hein, Jonas. Il me semble pas. Oh, c'est effrayant en fait cette phase. Ah, ça c'est marrant ça. Ce setup. Ça oblige le bonhomme à avoir les. Au moins les avoir une fois quoi. Sauf quand on fait ça. Et ouais. Quand on fait ça, c'est fromage. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais, c'est fromage. Et ouais, désolé, c'est fromage. La bomba. Est-ce que c'est une bonne idée en y allant sous la Rex? Et grand en plus. Bah ouais, totalement, parce que c'est un fromage du coup. Putain, il me balance des poissons dégueulasses. Il me balance du poisson pourri, c'est dégueulasse. Là qui tue, c'est bou, il m'envoie du poisson pourri, au secours. J'ai un champi pour me safe. Ça devrait le faire en vrai. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ok, c'est marrant ça. J'aime bien le boss. Alors le boss est très stylé. C'est un bon boss. Il est très stylé en vrai. Merde. Pas mourir comme ça par contre. Je vais quand même pas mourir comme ça. On va prendre le checkpoint les gars. Vraiment, on va quand même prendre le checkpoint à tout hasard. Il serait con de mourir encore une fois quoi. Il serait encore con de mourir une fois, franchement, entre nous. Allez, un Jackie. Eh ben, on serait mort, hein. Mais il hitbox aussi. Ça fait deux fois que je passe derrière le point. Non, mais ça va aussi ou quoi? Non, mais le jeu. Est-ce que le jeu va bien? Plein le cul, moi. Putain, l'inquiétude, merde! Ah, les poissons! Trou du cul! Ah, les poissons, au secours! Au secours, les poissons! Ah, au secours, quoi. Au secours, les poissons, quoi. On va tricher un peu, hein. No, I didn't, my friend, I didn't. I skipped because I was too bad. Coucou, Gnome. Comment vas-tu? Tu vas bien, Gnome? Oula. Oh, bah, c'est... Mais c'est l'enfer du cul, non? Faire un... Ah, je suis allé à la Megaman, mais il y avait pas tous les frères Brothers à l'époque. Ah, je vois le truc, je vois le truc, je vois le truc. Je vois ce que tu voulais faire, ouais. Sky Galaxia. Comment qu'il va, Gnome? Est-ce qu'il va bien, le Gnome? C'est un peu RNG, avec les flammes, en vrai. Là, c'était facile, par exemple. Tout à l'heure, c'était insupportable. La fois ça va, j'ai rien branlé aujourd'hui. Ah, c'est bon ça. Bon, j'ai compris quoi. Bah, arrête de sauter non? Il peut pas s'arrêter de sauter? Que je puisse faire ça moi? Mais il triche aussi non? Ça, je reconnais le mec qui triche, je crois. C'est un tricheur. J'ai pas envoyé une vidéo. Mais tu peux faire ce que tu veux sur mon Discord. T'inquiète, en vrai. C'est un pipipipapou. Pipipapipapou. Pipapapou. Poup. Pipapou. Félicitations! Yeah! Yeah! Impeccable. Impeccable, impeccable.
J'ai géré un niveau nul, ouais, c'est ça. En vrai, j'ai bien aimé, ça va. Et bon, il y a quelques petits soucis dans le niveau, effectivement, mais ça va, hein. C'est plaisant. Niveau suivant. Niveau de Ticoche. Le Ticoche. J'adore faire ça à chaque fois, le petit coche là. Le petit coche là. VT9. JLN. QNF. Il y a une idée dans le niveau, mais clairement pas abouti. Ouais, non, mais on voit le truc. Mais ça va en vrai. Le corner boost est utile. Ah ouais? Le corner boost est utile. Ah ouais. Tu le prends comme ça. Tu me dis que le corner boost est utile. Tu le prends vraiment comme ça. Très bien, petit coche. Je vois où tu vas en venir. Je vois où tu vas en venir, Ticoche. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Est-ce qu'il est utile et nécessaire? J'ai pas la pièce. Est-ce qu'il est utile et nécessaire ou est-ce qu'il est juste utile? Mais ça marche pas là. J'ai fait ce que tu m'as demandé, ça a pas marché. Pixel jump, d'accord. Mais pff, c'est une vanne par contre. Yo Bowser, bonsoir. Comment vas-tu? Mais pour... Je comprends pas. Je comprends pas. Mais je... Excusez-moi, je ne comprends pas. Petit saut, mais je crois pas que ce soit un petit saut aussi. C'est un petit saut. Ah si, il y a la ligne. J'ai pas compris en fait. Je suis un con, ouais, je suis un con, je viens de comprendre. Ouais, non, non, faut pas dépasser la ligne, je suis un gros con. C'est pour ça. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Trop tôt. Coucou à toi, Anatole. Coucou, coucou, l'ami. Ça va bien, tranquille? Tranquille, tranquille. Ouais, hein, j'ai pas whiffé sur le bloc là-bas, donc j'ai pas collé un boost. Tristesse. Donc c'est pas que c'est nécessaire, c'est que c'est obligatoire. Ça marche Alan, à tout à toutes. Bon repos. Repose-toi bien. Il est pas trop difficile, mais il y a des pixel jumps qui sont un peu chiants à faire, quoi. Il y a un corner boost et 3 pixel jumps à faire. Enfin, 2. C'est un peu chiant. Faut les enchaîner, quoi. On sait tous que les corner boost, c'est pas le truc le plus... Le plus 100% du monde. Je l'ai pas, hein. Ah oui, il y a le spring aussi. Pardon. C'est vrai qu'il y a le spring au début, j'avais zappé le spring. Autant pour moi. C'est vrai que le spring peut nous aider, quoi. Rebastien, oh, coucou. Alors, il a pas sauté. Pourtant, j'ai appuyé avant qu'il tombe. What the fuck? Ouais. Tegelegrem, tegelegrem. Ta ti ta ti 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 ta
Tout tati tatou, chatati tatou. Tout. Ra ra. Pardon, putain, ma voix qui déraille. Totalement. Ma voix qui déraille. Eh bien, niveau suivant. Merci Ticoche pour ce niveau, je l'ai eu de justesse, visiblement. Niveau de Jonas, ensuite. Pas que je spin. Le spin est moins rapide que le jump normal. C'est fou, toutes ces strats. Hein. Toutes ces strats moldaves, c'est fou. Bon, je vous laisse à plus. Des bisous à toi, Bowser. À plus tard. Oh, t'es vite parti. Dans les entrailles de la Terre, JLV5NK. À plus tard, Bowser. MHG. Ce niveau est moins bien que l'autre que je t'ai envoyé. Ça marche. Explorer les monstres des entrailles de la Terre. Des entrailles avec ENT. Aïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Nous entraillons, c'est ça. Bah, je savais pas. Ah, oh, c'est claustro, hein. Ok. C'est pas dégueu, c'est particulier. C'est très claustrophobique. Très fin. Il y a beaucoup de power-up. Merde. Ok. C'est pas si dégueu. Ouais, je prends du plaisir. T'aurais pas dû mettre juste des traits. T'aurais dû mettre plutôt tous des murs. Enfin, des murs durs, quoi. Des murs avec plein de trucs. Des murs épais, pardon. Parce que juste mettre un trait pour un mur, ça fait très moche visuellement. J'aime bien. Je prends du plaisir en jouant à ça. Niveau suivant, niveau d'Anatole. Eh bien, c'est parti pour le niveau d'Anatole. Eh bien, c'est parti. N'est-il pas? Titidou, titou, pipou, pidipidou. Je crois que tu l'as fait, mais je l'ai re-upload. C'est le truc avec le canon, là? Ah non, c'est pas ça. BSN. Non, j'ai peut-être pas fait celui-ci. 9PH. QKG. Je l'ai peut-être pas fait celui-ci. Le gros Mario, je casse tout. Non, je crois pas l'avoir fait. Ah si, je l'ai fait, je pense. Il était un peu pété, ouais. De mémoire. Il y a des trucs qui marchaient pas totalement bien de mémoire. Ah oui, si, je me rappelle. Faut tuer les plantes, c'est ça. Titum, titutum. C'est là. C'est là que ça marchait bien. C'est là que c'était le bordel, je m'en rappelle. Il me l'appelle. Fallait contrôle. What? Wow, ok. J'ai pas ralenti, je crois, à la fin. J'ai fait full droite, il me semble, non? J'ai ralenti? Je fais pas attention si j'ai ralenti. J'ai pas eu l'impression. Merde. Ah non, oui, j'ai ralenti à un moment donné parce que j'allais pas avoir les trucs sinon.
Mais j'ai ralenti avant, j'ai ralenti avant le setup de la carapace, je crois. Donc je suis pas sûr d'avoir influé sur la carapace. Si t'as raison, j'ai ralenti avant d'entrer ici, je crois. Un petit tréfonds ensuite, c'est bon ça. Ah oui d'accord, si. Ça marche mieux qu'avant. Ça marche mieux qu'avant parce qu'avant ça marchait pas hyper bien la fin de mémoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout le temps la shell, fallait faire un petit contrôle je crois. Et là ça marche très bien ouais. C'est un très bon niveau. Félicitations ! Très très bon niveau. Parfait. Niveau suivant, c'est un tréfonds de level king. Alors, on part sur le tréfonds. On part sur le tréfonds. On part sur le tréfonds. Oui, on part sur le tréfonds. Alors, on part sur le tréfonds. On part sur le téflon. Quoi ? C'est pas bien, ça. C'est pas ce qu'il fallait dire. Alors, stage. Stop ! Trollland. Aïe, 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 aïe ! Le hasard a choisi un niveau troll en tant que niveau tréfonds. Ça pue la merde déjà. Je le sens très très mal. Bon, on le sait tous, on l'a tous compris. Voilà, on a tous compris. On l'a tous vu venir celui-ci, on l'a vu venir. Ça, on a compris, attention. Non, ça va. Voilà. Ça les gars, avec ce genre de troll, moi je suis assez fort. Hein. Ça, je devine ça. Bon là par contre, c'est blind, donc je sais pas trop, je devine pas trop, mais... Ça, c'est niveau troll, je peux deviner, tu vois. C'est pas seulement des pick-up. Bon, souvent, il y a des pick-up dégueulasses dans ce genre de niveau. Mais c'est pas tout le temps le cas. Bon, là, on sait, hein. Ouais, ouais. On en parlait, justement. Alors, si c'est un pick-up, on met un buff, hein. C'est automatique. Les pick-up, c'est buff pour moi. Y'a aucune notion de gameplay dans les pick-up. Aucune des portes, maintenant. Aucune des portes. Donc là, j'ai une sorte de pick-up off. Est-ce que j'utilise le P ou pas? Je suis baisé, hein. Les gars, faut que je récupère mon P. Oui, Zekette, c'est comme ça que tu récupères le P, petite merde. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que j'ai oublié celui-ci. Par contre, il y a beaucoup trop de... En soi, il y a pire comme garbage, ouais, totalement. Merci pour ton flow, Tizen. Bienvenue à toi dans la Totsun, bienvenue, l'ami. Ah bah yes. Alors ça, parce que je fais un niveau troll, que je fais tout un niveau troll du monde, les gars. Hein. Je vous le dis. Je suis dans ce niveau, si c'est un troll normal, je le ferai pas. Hein. C'est incroyable, cette histoire.
Ah, sa mère. Ça, par contre, ça m'agace. J'ai pas le temps de me poser, de réfléchir, de regarder ce qu'il y a. Je me tape le truc sur la tête, quoi. Ça dégoûte, en fait, ça. C'est pas si horrible. C'est pas si horrible. On va essayer ton niveau, Taïjan, mais il faut... Potentiellement, peut-être, je fais pas en entier, quoi. Parce que le niveau troll, moi, je deviens dingue, après. Je deviens dingue. C'est dingue de... d'incompréhension de ma part, à chaque fois. Pardon. Je veux pas de cool, mais c'est pas si dégueulasse, c'est pas si bof, parce que bon... Il y a un type, il y a des clients pour ce genre de niveau aussi, quoi. Moi, je suis pas totalement... Je préfère limite ces trolls-là, où il n'y a pas de pick-up-off dégueulasse, comme on a pu en voir un vite fait. Bon, par contre, la création de ce bonhomme, c'est pas incroyable. Techniquement, il n'y en avait pas. Oui, ça, techniquement, il n'y en avait pas. Donc ça, en plus, c'est un bon troll, quelque part. C'est dans les codes des trolls, des bons niveaux trolls, d'avoir un pick-up-off, mais... qui n'est pas le pick-up-off à faire, vu qu'il y a une autre solution. Donc techniquement, c'est pas mauvais, celui-ci. Je crois. Niveau suivant, du coup, niveau de Taizen, c'est parti. Bon, niveau troll, du coup, donc je vais un peu rager, je vais un peu pester, hein. Mais c'est pas contre toi, Taizen, ni contre ton niveau, hein. C'est contre les niveaux trolls en général, parce que je n'aime pas ça. Alors, NGX. Après, on va voir la tronche du niveau, hein. FHR. Ça dépend quel genre de troll. C'est un troll, vraiment troll, dans le sens troll. Je suis pas fan, mais si c'est troll genre Timmy 8 ans, qu'est-ce que je fais? 7, je fais n'importe quoi. NGX, FHR, 7VF. N'importe quoi, Zeket. Et on est sur un troll basique, je crois. Un troll Timmy 8 ans. J'ai l'impression. Alors, c'est pas content non plus quand je dis ça. Hein. C'est vraiment une catégorie de niveau en mode il y a des Kaizo planqués, il y a des trucs qui tombent sur la tête et tout, quoi. En mode low-poc. Voilà, des niveaux low-poc, j'appelle ça. Ah, typiquement, là, on voit tous, hein. Ah, pas du tout, autant pour moi. Pas du tout. Ça, c'est blind, par contre. Ça, c'est blind, malheureusement, c'est pas du troll, c'est juste blind, ça. Mais attends, c'est quoi la solution? Celui-ci, il me plaît bien, celui-ci. J'ai peur pour la suite, mais il me plaît bien, celui-ci. Ça, ok, ça me va aussi. J'ai pris un champignon. J'ai fromage à champignons.
C'est trop rapide. Je crois qu'on n'a pas le temps de le prendre dans la bouche celui-ci. Ça typiquement c'est le genre de truc qui m'énerve moi. Ça m'énerve ça. Bon, c'est des bons trolls dans les codes du troll, je crois. Mais ça m'énerve parce que moi, en tant que joueur, quand j'ai affaire à un niveau troll, il faut que je prenne le temps d'analyser. Sauf que là, je ne peux pas analyser. Une fois que je vois le monster qui arrive, c'est trop tard en fait, j'ai pas le temps de passer. Mais c'est moi, hein. Et ça m'agace en fait. Parce que du coup, ça ressemble à un pick-up finalement. Soit j'y vais directement comme un fou, soit j'attends. C'est une sorte de pick-up pour moi et ça m'agace. J'aurais dû rester dessus. Je suis sûr qu'il fallait que je reste dessus. Bah là c'est pareil hein. Ça, je peux pas savoir. Moi, ah ouais, c'était pour le checkpoint, d'accord. Ça, je peux pas savoir, ça m'ennuie, ça. Je sais pas si je dois arriver sur la plateforme ou prendre la porte, j'ai aucun moyen de savoir, en fait. Après, c'est pas très loin. Je prends la porte. C'est bel et bien en bas, sur la plateforme, du coup. Ah mais non, mais je peux y aller quand je suis petit aussi, il faut juste que je prenne un damage boost par la gauche là. Ah bah oui. Ouais non, c'est vrai, c'est bel et bien en haut. Je n'aime pas les niveaux troll. Donc j'avais à moitié raison. J'aurais dû damage boost hein. C'était bête de ma part. J'aurais dû damage ici, pardon. Tiketikatu, kitaku, kitatu. Et là, je vais appuyer start en vitesse. Est-ce que c'est un résultat pique-paf ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai sauté comme une merde. J'ai pas réussi à sauter. Oh, ça m'énerve ça! Ça m'emmerde ça. C'est drôle une fois mais après on perd juste du temps. Et déjà qu'on perd beaucoup de temps dans un niveau troll. Donc là il faut attendre. Attendez quoi? Tout à l'heure il a jamais craché? Sous ma gueule? Non lui se moque de moi c'est sûr. Non mais...
Mais what the fuck? Mais quoi? Mais normalement il crache là. Pourquoi il crache quand je suis là? Comment pas? Comment pas? Comment pas? Ah mais ça c'est... Non, ça c'est non ça. Ça c'est non, c'est non ça. Ça, ça m'emmerde. Ça m'emmerde ça. Oh, ça me fait chier ça aussi. Non mais ça m'emmerde ça. Ça c'est un truc qui me fait le fion. J'ai l'impression de prendre tout un point dans le trou de balle, j'ai rien demandé. Ah ça... Ah ouais, hein. Piscine à domicile, hein. Totalement gomme, pour ça. Tigui tigui tum, tigui tum, tigui tum. Ah, mais Tizen n'est déjà plus là, en fait. Un truc qui m'agace, ça. Je vois zéro intérêt, en fait. M'envoyer un niveau 3, aller se barrer, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Rien, rien, zéro. Là, on est sur le 0 sur 20 d'intérêt. Donc, nique. Niveau suivant. Mais je sais pas. Déjà que je comprends pas comment les joueurs peuvent aimer niveau 3 en jouant, d'accord. Déjà, je comprends pas ça, d'accord. Mais au-delà du fait, je comprends encore moins comment tu peux envoyer un niveau troll et te barrer. Je veux dire, pour moi, le seul truc qu'un créateur peut bien aimer en tant que créateur de troll, tu vois, c'est de récolter, entre guillemets, le sel et l'amusement, tu vois, de la personne qui prend les trolls. Ça sert à complètement rien de faire un niveau troll où tu te barres après. C'est dingue. Je comprends pas. Bon bah y a plus de niveau donc on va close la file, on va se barrer. Non on va pas se barrer, on va lancer le niveau, le monde de... comment ça s'appelle? De Panda Far Cry, vite fait. Ah ouais, les trolls faut le bon streamer et le bon public. Et il faut également le créateur du niveau, sinon... compliqué quoi. Enfin pas obligatoirement, mais quand tu fais les niveaux des viewers, ça serait mieux qu'ils soient là quoi. Sinon, on est tous gênés par ce qu'on voit, quoi. Mince, mince, mince. Je prenais en considération que les bons niveaux trolls, les autres c'est garbage pour moi. Ah oui, c'est garbage, non. Je suis pas ça comme ça. La fille des close, ouais, c'est close, Caro, c'est close. Oui, les autres c'est pas vraiment du niveau 3 là après. Hein. C'est plutôt du jeu de garbage, c'est sûr. C'est sûr. Bon, on va vite jouer au monde de Panda pendant quelques temps. Le temps 2, il y a que 6 mondes. Ça se complexifie là, hein. Il y a des réclames qui pop, c'est un peu relou hein, cette histoire. Ti 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 tu ti ti tu ti pi ti piu pi ti piu ti pi ti piu pi ti piu piu. Runes. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Un reclaim qui nous oblige à reclaim bien comme il faut. Ça marche, Skilv. Coucou à toi. Et les pics, ça visuellement me perturbe en vrai. Parce que j'ai l'impression de pas avoir du coup. D'avoir plusieurs blocs alors qu'en fait j'ai qu'un bloc. Il faut que je revalide no checkpoint Warzone, tiens. Ah, ça va être bon ça. Attends, c'est bon. Ah oui, je suis en 450 pression mon tour. Coucou à toi, nos skills. J'arrive pas à reclaim. Pourtant, c'est visuellement des reclaims, mais ça ne marche pas.
En fait, le problème de série claim, d'accord, de pas de série claim. Coucou Muche. Le problème, c'est que le pic, d'accord, le pic te donne l'illusion d'avoir deux blocs ou trois, peu importe, alors que finalement, t'as que un bloc pour reclaim. Et visuellement et intuitivement, du coup, t'es baisé. Ça te fout le baise, en vrai. Mais vraiment, hein, ça me fout le baise, moi. Ça me fout le baise visuellement, les pics dessous, là. Pour moi, il aurait mieux fait de mettre deux pics. Hein. Parce qu'il a fait ça pour l'esthétique, je pense, d'avoir les pics. C'est beau, c'est clair. Mais le problème, c'est que visuellement, quand tu pars faire un reclaim... Déjà, c'est pas un reclaim, je sais pas pourquoi. Merde. Comment est-ce qu'il va, Muche? Putain, mon retour, il est en 480, c'est dégueulasse. Oula, c'est pas... Enfin... Bonjour le Canada, Muche. En plus, moi j'ai tendance à toujours contrôler mes reclaims. Et là, c'est un problème parce qu'il faut que je fasse quasi en max. Ouais. Ce reclaim était dégueulasse. J'aurais jamais eu le bloc au-dessus, je pense. Le Canada Muche, c'est ça. C'est un nouveau pays, c'est le Canada Muche. C'est le Canada de Muche. Vous voyez ça, les gars? C'est la faute de la croix, ça. Quand vous appuyez en bas trop vite, et ben, vu que c'est une croix et que tout est connecté, d'accord, dans la croix, et ben, ça fait une gauche. Va savoir pourquoi, je ne sais pas. Putain. Ce niveau va me casser les couilles, hein, à cause de ces reclaims dégueulasses. Hein. Je sais pas comment la chaîne passe dessous, en vrai. Il va bien, j'ai réussi en 5 jours mon défi triple shell jump. Clear tous les levels triple à Gnomena 1 ainsi que 3 fois triple à Sanix. Putain, mais moi les triples, c'est hors de question que je fasse que ça, les gars. Ça, c'est hors de question. Oh. Pardon. Excusez-moi. J'ai des envies de taper à manette quand ça fait ça. En réflexe. Pas où ça drop. Moi vraiment ces pics ça me perturbe. Hein. Ces pics ils me perturbent trop. Hein. Quitte à mettre un truc pour pas qu'on passe, mais clairement de. Ouais. Ça m'énerve aussi ça. Mais ouais, c'est hyper contre-intuitif. Après, je comprends le concept. Il a voulu rendre ça difficile en mettant qu'un bloc, tu vois, pour le reclaim. Je peux comprendre. Mais visuellement, le fait de voir le pic... Vu qu'on réfléchit pas, on est d'accord, quand on fait des kaizo, des tests, etc., on réfléchit pas, d'accord. On fait tout à l'instinct, plus ou moins. Et l'instinct nous dit bah, que t'as un mur de 2 ou 3. Et du coup, que tu peux contrôler. Alors qu'en fait, non. En plus le bloc, je vais pas vous mentir, il glisse dessous des fois. Genre là, la carapace, pas le bloc, hein, la carapace a glissé dessous. Oh, j'ai raté mon reclaim. Je suis vraiment pas fan de ce reclaim, enfin de ce... du setup. Ouais, la carapace, elle whiff dessous, je crois. C'est trop rapidement sur la récup. Ça m'agace aussi, ça. Obliger les gens à faire des reclaims. Mais d'où elle passe dessous la carapace en vrai? Je sais pas comment physiquement elle arrive à passer dessous la carapace. Je ne le comprends pas. Je ne le conçois pas non plus. Setup de merde. J'ai appuyé en bas, j'ai jamais appuyé à gauche. Hein. Bon, on va être bloqué sur ce niveau parce que c'est de la merde le setup. Et voilà. Putain, j'en ai plein de cul des setups à chier, les gars.
Punis-moi parce que j'ai réussi ton reclaim, punis-moi. Punis-moi parce que je l'ai pas fait comme tu voulais exactement qu'on fasse. Merde. Ouais, on doit être lent, on doit les faire en max. En fait, ce qui me fait peur en ce niveau, parce que ce créateur, il a fait plein de niveaux où faut maxer pour avoir des timings, d'accord? Faut maxer ou faire des contrôles ou des mini pour avoir des gros timings. Et le problème, c'est que s'il nous oblige à faire des max reclaim tout le temps, mais ça va, je vais péter un plomb. Qui fait ça? Qui fait ça à nous obliger à max reclaim tout le temps? Mais pour... Ouais, mais tu nous obliges pas à max reclaim, si? Muche. C'est tellement chiant de max reclaim, ça veut dire que si t'as baisé ta trajectoire, tu n'as pas le choix bah que de rater ton reclaim, si t'as raté ta trajectoire. Tandis que si tu rates ta trajectoire avec un... Ah, tu peux toujours contrôle. Voilà. Ouais, mais si tu rates trop ta trajectoire, tu peux pas faire le petit gauche, hein. Malheureusement. Disons que t'as moins de temps pour faire ton petit gauche, hein. Je comprends pas ce qu'il faut faire, là. C'est ça? Non, je crois qu'il faut que je challenge directement. J'ai pas eu le réflexe. C'est trop dur de faire un bon niveau. Ah ouais, non, mais c'est clair, hein. C'est clair, c'est super dur, hein. Voilà, j'appuie pas. Je me battrai sans répit. J'ai raté ce petit reclaim. J'ai pas vraiment réussi. Mais ta mère le jeu vidéo, ta mère. C'est le mot. Le mot est ta mère. Ah mais c'est trop chiant visuellement. Visuellement parlant, d'avoir le pic dessous, ça perturbe trop. Et je comprends pas pour quelle raison la carapace va passer dessous par contre. Parce que mes reclaims, je m'en sors plutôt bien maintenant en reclaim. Là, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y ait qu'un bloc. Tout le temps. Je dois whiff constamment sur les blocs de mort là. J'en ai marre maintenant. En fait, ce qui me bute dans son super monde, c'est qu'on n'a pas une seule fois eu besoin de faire un reclaim. Et là, on commence par des reclaims où les reclaims, mon gars, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu fais les reclaims demandés, point. Ça avait eu deux blocs, il passe sur reclaim. S'il y a un bloc au-dessous, il passe. Là, il passe parce que la shell est whiff dessous. C'est des reclaims super contraignants d'avoir qu'un seul bloc. Mais ouais, non mais... Pas une seule fois, on a un reclaim dans tout son super monde, et là, on a des reclaims de pute. Et ouais, mon gars. On a des reclaims où, mon gars, t'as pas envie de faire ces reclaims, hein. Vraiment, t'as zéro envie. J'arrive pas à dropper, ça ne veut plus. Ça ne veut plus dropper. Ouais, il va y avoir du juggle après, hein. C'est sûr. Et ça me gonfle. Ça me gonfle à un point. Je me suis fait bait par ce super monde, mais il y a de plus en plus de junk, malheureusement. Des junk, pas des junk mauvais, hein. C'est-à-dire que c'est des junk parce que le niveau est trop bien fait. Et forcément, vu qu'il y a des timings qui sont générés bien avant et que tu fais plein de choses entre-temps, ben typiquement, tu peux délayer le timing un petit peu ou pas et ça baisse tout, quoi. Ce niveau est incroyable aussi, les gars. Ça, c'est incroyable, hein. C'est pas trop de junk, je crois pas, de mémoire. Il n'y avait pas de junk, encore. Merde, j'ai raté. J'ai raté.
Pam, 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 pam. En tout cas, ce Super Monde, je vous le conseille, hein, pour ces amateurs de Jump Kaizo et de TS. Il y a beaucoup de choses, hein. Très très cool, hein. Ah, yes. Réclame de comme dans Réclame ton argent en rendant le jeu. Ouais. Je réclame pas grand chose quand je réclame dans mon maker, hein. Ah, je comprends pas la marque là. Donc là, il y a YOLO Shell Jump. Il y a YOLO Shell Jump. Ah, YOLO Shell Jump. Hein. Allez, Zou, on s'arrête là-dessus. On partira faire ce niveau la prochaine fois et je pense que le niveau reclaim, bah je le sauterai, hein, tant pis. Hein. Hors de question que je m'emmerde à faire des reclaims. De ce type-là. C'est l'heure de manger, ouais. C'est l'heure de manger. On va les raids du Mormaker, je pense, comme d'hab. On mettra pas de messages particuliers parce que je suis pas très fan des messages particuliers, vous mettez ce que vous voulez, hein. En tout cas, on a pas mal avancé. On dirait toi hier. Non, mais en vrai, les raids... C'est vrai que t'as sorti une excuse. Non, il y a des trucs qui me dérangent, moi, sur les raids. Donc, je... Enfin, qui me dérangent, oui et non. C'est compliqué, les raids. C'est compliqué. Oulatch. Oup. En vrai, j'oublie les raids. J'oublie. Ouais, on a pas mal avancé sur Demon Turf, qui est plutôt sympathique. Sur Mormaker, bon, on a eu pas mal de niveaux pas fifou en vrai, parce qu'on a fait beaucoup de tréfions, des oubliés, qui étaient pas incroyables en vrai. Pas incroyables. Donc, voilà, voilà. Est-ce qu'on peut mettre Zeket te raid par pitié? Non, vous mettez ce que vous voulez, mais mettez pas ça. Non, parce que là, bon, voilà. On va, des problèmes. On va aller raid Ground, qui fait du Mormaker. Je le raid pas forcément méga souvent, de toute façon. Et inversement aussi. Il fait du Mormaker. Tac. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live ce soir. Il n'y aura pas finalement. Merci pour ton resub, Northfolk. Merci à toi pour tes 4 mois d'abonnement. Merci. Hey. Merci. Oh, oui, il y a un peu de ça aussi, Gnome. Donc, ce soir, c'est pas du tout Isaac. Ce soir, c'est rien du tout. Je me repose, désolé. Isaac saute encore ce soir, désolé. Demain midi, Mormaker, on se retrouve pour 2 heures de Mormaker. Ensuite, je partirai l'après-midi et le soir, normalement, Isaac. Voili voilou pour le planning. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. J'espère qu'il vous a plu, comme d'habitude. Passez tous une bonne soirée. Portez-vous bien et puis à demain. Et des bisous. Salut. Et grand merci à toi, Northfolk, pour ton action, mais t'arrives pile poil sur la fin du live. Je vous dirige chez Ground, qui fait également du Mormaker et qui fait probablement du viewer level. Donc, passez tous et toutes une bonne soirée, et merci à toi, Northfolk, pour ton sub. Et des bisous, à demain. Au revoir.